Coucou tout le monde, nous sommes donc mardi 4 avril 2023, il est à peu près 2h-20 et je viens de rentrer, je promène la chienne, rien ne s'est passé comme prévu ce matin entre guillemets, parce qu'après le matin ça a été, mais au boulot non, parce que je devais vous faire une intro au bureau, c'est vrai que maintenant je vais arrêter de vous promettre quoi que ce soit, parce que du coup j'ai pas pu. J'ai été prise dans le flot du truc et au moment où j'ai dit je vais faire une intro, il était quoi, 11h et quelques, et ma collègue est arrivée. Donc voilà. Hier soir, je vous ai laissé, après j'allais chercher Lancelot à l'école. Il est complètement enroué, un peu comme moi hier j'étais enroué aussi, je suis beaucoup moins aujourd'hui. Lui il est encore un peu enroué. Vraiment c'était, comment il s'appelle, Jeanne Moreau. Voilà, mon fils était Jeanne Moreau hier. Donc il m'a dit clairement quand on est allé dans la voiture, je dis qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit je veux rentrer à la maison. Je lui dis tu veux pas aller à l'éveil musical? Et il m'a dit non, j'ai mal à la gorge, je peux pas chanter, je vais pas à l'éveil musical. Bon écoutez, comme je vous avais dit, dans un sens hier ça m'arrangeait parce que j'avais tellement de trucs à faire. Donc on est quand même passé à la boulangerie pour lui prendre un goûter. Il était indécis. Il savait pas ce qu'il voulait, il dit je veux un croissant, oh non je veux un cookie, oh non je veux un croissant, oh non je veux un cookie. Je dis vous savez quoi, on va prendre un croissant et un cookie, et il a mangé les deux. Donc voilà, au moins il a pas perdu l'appétit. Ensuite on est rentré, voilà, il a pris son petit goûter, moi j'ai fait tout ce que j'avais encore à faire. J'avais encore les serviettes qui étaient pas sèches au moment où je suis partie chercher à l'école, qu'il a été sèche. Donc j'ai rangé les torchons, les machins, j'ai plié les serviettes, tout le tralala. Après du coup à 5h30 on est monté, douche pour lui. On a fait ce qu'on avait à faire, j'ai préparé à manger, enfin voilà, c'est le rituel du soir, comme je vous l'ai dit, rien de bien intéressant. Hier, un petit peu déçue par « Je te promets » premier épisode, je trouvais que c'était un petit peu longuet, on n'a rien appris de spécial, et puis comme nous on a regardé qu'un seul épisode, c'est un peu frustration ultime quoi. Je trouvais que l'épisode, en plus il était un peu décousu parce qu'on faisait des flashs dans plusieurs époques. Donc c'était sympa, moi j'aime bien regarder ce truc-là, mais voilà, du coup... C'était un petit coup de reviens-y sans pouvoir y retourner. Donc voilà, on verra. Donc ce soir, on regarde rien parce que Simon a volé ce soir. Donc ce soir, je vais tenter vidéo ASMR. Il y a ça aussi qu'il faut que je prépare. C'est par là qu'on va. Donc ce matin, alors du coup, voilà, on a regardé ça. Je me suis endormie très vite parce qu'hier, j'ai tout de suite mis, dès qu'on est monté, j'ai mis une vidéo ASMR. Sandra ASMR a sorti une nouvelle vidéo. Elle en fait vraiment plus beaucoup. Donc puis moi, je suis vraiment très réceptive à son ASMR. Je suis désolée, le vent... Alors, il n'y avait pas un pet de vent. Et au moment où je décide de filmer, il y a le vent qui se lève. Donc oui, comme je suis très réceptive, moi, dès que je mets une vidéo d'elle, au bout de 10 minutes, je dors. Donc, très bien. On est monté, il était 10h15. Donc, je me dis, allez, hop, tout de suite une vidéo ASMR. Commence pas à regarder d'autres trucs ou à chercher d'autres machins. J'ai vu qu'elle avait fait une vidéo, on la met. Et je me suis endormie très rapidement. On a été réveillé plusieurs fois cette nuit par Lancelot qui faisait que de tousser. Donc, ça, ce matin, il avait encore sa tête. Il est là, le poteau. Coucou toi, ça va-t-il? La chauffe, il fait que de regarder Jeep, mais Jeep, elle n'en a rien à secouer. Donc, je disais, voilà, dodo tôt, etc. Réveillé plusieurs fois dans la nuit parce qu'il toussait. Simon s'est levé une fois pour lui donner à boire. La nuit dernière aussi, je ne vous avais pas dit, mais il s'était aussi réveillé en toussant très fort. Et puis, du coup, ça l'a un peu... réveillé, il a dû avoir les chocottes de quelque chose et il avait pleuré. Simon est allé voir et a dit que son oreiller était trempé, donc il avait fallu qu'il retourne l'oreiller, tout ça. Enfin, il s'est rendormi, il se rendort direct. Des fois, il n'est même pas vraiment réveillé, il est comme dans une transe quand il pleure. Mais on lui dit couche-toi, il se recouche et il est reparti. Je ne sais pas si ça va être très agréable de parler avec le vent. Donc ce matin, voilà, j'ai été au boulot. Très vite, j'ai parlé avec ma collègue. Après, elle est partie à sa matinée. Moi, j'ai enquillé, j'ai eu plein d'appels téléphoniques. J'ai eu des listes à pointer. Enfin, j'ai enchaîné. J'ai quand même été dire bonjour aujourd'hui. J'ai été dire bonjour à mes collègues du multi-accueil. J'ai pris un peu le temps de discuter 5 minutes avec ma collègue de l'accueil parce que du coup, elle part en week-end et donc elle ne sera pas là vendredi. Donc elle revient que... et puis lundi, c'est férié. Donc on se revoit que mardi la semaine prochaine, quoi. Donc vraiment une semaine tout pile. Donc elle va vraiment avoir un bon repos en prenant qu'une journée, elle, parce qu'elle est en temps partiel aussi. Mais elle n'est pas comme moi, elle fait des journées complètes, donc elle travaille 3 jours par semaine. Moi qui je travaille tous les jours, mais que en demi-journée, elle du coup elle travaille 3 jours semaine, et voilà. Donc voilà, on a un petit peu échangé sur les trucs qui étaient en stand-by, puisque pendant deux jours, peut-être 3 jours, enfin 2 jours et demi on va dire, c'est moi qui vais gérer un petit peu ces dossiers. Ensuite, ça s'est enquillé, ma collègue est revenue, et puis on a fait le point sur 2-3 trucs,
Et je suis partie à 13h au lieu de 12h30. Donc pas de piscine parce qu'ils nous demandent d'évacuer le bassin à 13h30. 2h moins le quart, il faut vraiment évacuer le bassin à 13h30. Il nous faut un appel en disant de commencer à nous préparer à partir. En gros, faites vos étirements, faites vos dernières longueurs et puis partez. Et ils évacuent complètement les bassins entre 2h moins 20 et 2h moins le quart. Et la piscine ferme à 2h. Donc en étant là, devant, on va dire, devant ma voiture, donc j'avais juste à traverser, mais voilà, qu'est-ce que je fais? Je prends mon sac ou pas? J'ai dit, le temps que je me change et tout, je suis pas dans l'eau avant 13h15. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc j'ai dit, bon bah écoute, non. Alors motivation, je peux même pas vous dire si j'étais motivée ou pas, parce que quand j'ai vu l'heure, j'ai pas eu de questions à me poser, j'ai pas eu à me forcer de quoi que ce soit. Parce que non, je vais pas bousiller une entrée pour 15 minutes, hein, non. Donc bah tant pis, pas de piscine. Donc j'avais un colis à déposer parce que j'ai vendu un jeu de Lancelot, donc j'ai été le déposer au Super U. Et ensuite, bah tant que j'étais au Super U, je me suis dit, bah tiens, je vais me prendre un truc à manger pour ce midi. J'avais pas envie de dépenser des milliers de cents, parce que d'habitude j'aime bien prendre des maquis, voilà. Je me prends une petite boîte de maquis, mais très vite ça monte quoi. Les trucs maintenant ça coûte 8 euros. Les trucs de maquis, c'est une fortune. Donc je me suis pris une au rayon, bon, c'est la marque Super U, au rayon un peu des plats préparés, des lasagnes chèvre épinard. Voilà, ça m'a coûté 2,30 €, un truc comme ça, enfin 3 euros je crois, un truc comme ça. Voilà, comme ça c'est très bien. Je mettrai au micro-ondes tout à l'heure pendant que j'ai relancé le sèche-linge, parce que ce matin j'ai fait une lessive de nos vêtements. Et puis en partant j'ai mis au sèche-linge et donc là j'ai relancé, donc pendant que je plierai etc, ben je mettrai à chauffer mes lasagnes, ensuite je me poserai un petit peu pour les manger et j'ai prévu de me cuisiner mon petit déj de demain. Alors j'ai 4 portions, c'est une boîte de Foodspring de préparation pour pancake protéiné. Et il y en a pour 4 portions dedans, donc ça va être ma portion de demain. Il y a un chat, je ne sais pas si vous voyez, il y a un chat dans le champ. Un petit machin blanc, bah c'est un chat. Je sais pas si vous aurez eu le temps de voir. Et donc du coup, je vais me préparer ça aussi cet après-midi. J'ai préparé ce matin la plaque, la crêpe partie. Comme ça, au moment où je fais les pancakes là, c'est le bon format, tout bien. Et donc, je vais tout diluer la poudre, tout mettre les pancakes. Comme ça, pour être demain matin, demain au goûter, peut-être au goûter de ce soir. Ouais, je pense qu'il y aura peut-être goûter de ce soir, demain matin, le goûter de demain et le petit déj. De jeudi, comme ça je suis tranquille, j'ai pas à réfléchir. Et en plus c'est des trucs où j'avais acheté beaucoup de choses, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais fait quand j'étais au régime il y a un an et demi maintenant, quand j'étais en régime très sévère, et pareil en période de jeûne et tout, en général c'est les périodes, quand vous êtes en restriction, c'est les périodes où vous avez plus d'envie, et moi mes envies je les assouvissais en achetant. Donc j'ai acheté énormément de choses, et donc maintenant je me retrouve avec des dates qui approchent, donc il faut que je consomme tout ce que j'ai acheté il y a un an. Donc voilà, donc je me concocte des petits menus, des petits trucs. Et puis bah voilà, ça va passer très vite. J'ai aussi l'aspi à passer, comme d'hab. Préparer les trucs pour la salle de bain. Et puis bah après, j'irai chercher Lancelot. Voilà. Ce soir, j'ai prévu de faire des pâtes de légumes avec le restant de légumes. Il nous reste des courgettes déjà préparées, des brocolis. Je vais faire revenir des crevettes avec un petit peu de crème. Moi, j'aime bien la crème de coco, mais Simon n'aime pas ça. Donc, ça restera avec de la crème normale. Et puis, bah voilà, on va manger ça ce soir. Bon, rien de spécial. S'il faut que je vous fasse un bilan de mes challenges sport. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je m'étais mis un peu des objectifs. Enfin, pas des objectifs, mais des défis. Voilà, c'est des petits défis. Alors, il y avait le défi lecture, qui ça, du coup, est bien enclenché depuis le mois de janvier. Et je m'étais mis aussi des défis... Les défis sport. Et le mois dernier, j'avais super bien réussi, j'étais contente de moi. Et là, ce mois-ci, je l'ai pas. Voilà, je sais plus ce que j'avais mis. Déjà, c'était des exercices qui me plaisaient moins. Et elle me tourne autour. Ça me plaisait moins. Et surtout, comme j'ai fait aussi une grosse reprise en fait au tout début du mois, les 20 premiers jours de mars. J'étais quasiment tous les jours au sport, j'y allais du lundi au vendredi, enfin, j'étais très assidue et les exercices que j'avais choisis, ils me faisaient mal. Quand je faisais la planche par exemple pour le gainage, je sentais et j'entendais plein de craques au niveau du dos, je ne sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Pareil quand je faisais les squats, les squats, ce que je faisais là c'était les fentes avant et les fentes avant, ça me faisait aussi craquer les genoux, ça me faisait mal, enfin voilà. J'étais vraiment pas à l'aise avec les exercices que j'avais choisis, donc du coup j'ai arrêté. Et là, depuis le 20
Donc ça fait 10 jours que j'avais pas fait de sport parce que j'avais première semaine, bah, j'ai eu mes règles. Vous savez que moi, du coup, je ne vais pas au sport. Et elle est gonflante là. Je ne vais pas au sport pendant cette période-là. Et la deuxième semaine, j'étais au bord du gouffre. Vraiment, je toussais, je mouchais. Enfin, c'était impossible d'aller au sport dans cet état-là. Donc, j'y suis revenue seulement que cette semaine. Et donc, je n'ai pas, pendant cette période-là, je n'ai pas non plus fait les fameux défis. Donc, je vais les remettre dans la pochette. Et je crois que pour avril, je vais rien me mettre. Ou alors, je vais éventuellement reprendre. Mais on est déjà au 4e jour et je n'ai pas commencé. Donc, on va rester sur le fait que je ne vais rien me mettre. Et le défi, ça va être de me remettre un peu dans le bain, de me bouger les fesses et de reprendre un peu une alimentation un petit peu plus carrée. Voilà. On va essayer de manger du protéiné qui arrive en fin de date, enfin tous ces trucs-là. Bon, je vais vous laisser là, je vais finir la balade avec elle parce qu'elle fait tellement de me tourner autour qu'on va tous finir par vomir. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Allez, bye. Coucou ! Je suis donc, j'ai eu le temps de rentrer, j'ai eu le temps de me poser un peu, j'ai relancé sèche-linge parce que c'était vraiment pas sec encore. Et là, il est 2h35. Je me suis donc installée, j'ai commencé à faire chauffer ça, j'ai préparé la moitié de la préparation qui est là, j'ai mangé aussi entre temps, je suis rentrée, j'ai mis à chauffer comme je vous ai dit le plat là, c'était des lasagnes, je vous ai dit chèvre épinard, j'ai un doute sur ce que je vous ai dit, je sais plus si je vous ai dit des lasagnes ail et fines herbes, mais c'était des lasagnes chèvre épinard. Voilà, je les ai mis à chauffer, j'ai passé mon petit coup d'aspirateur et donc après, donc je me suis posée, j'ai relancé le sèche-linge. Il reste combien de temps? Il reste 3 minutes, mais je pense que je vais plier le linge en même temps que je vais faire les pancakes. On va essayer. Les pancakes que je fais, ce sont ceux-là, voilà. Des pancakes de chez Foodspring, j'ai jamais essayé, je crois, leur préparation pancake. Ou alors, c'était pas comme ça, c'était dans un sachet. Et là, en fait, ils ont fait neutre et il y a aussi, j'ai deux autres paquets, je crois que j'ai chocolat, cacahuète et je crois que j'ai chocolat blanc amande, voilà. Comme ils avaient sorti une gamme, je les avais tous, donc je fais cela, j'ai déjà fait la moitié de la préparation qui est prêt à chauffer. Je vais donc me m'atteler à ça et puis, de toute façon, ça va aller très vite, hein. Moi, je pense que le temps que je fasse ça, on va très vite arriver, il va être 3 heures passées. Je vais préparer le truc là-haut. Je pense que je n'aurai même pas le temps de préparer mon setup pour ce soir. Je pense que je le ferai soit tout à l'heure ou soit pendant que je me brosse les dents. Et encore, c'est même pas dû parce que Simon, lui, part à 8 heures. Donc, il faut vraiment que je le fasse... Je sais pas quand. Voilà. Bon, je vais m'atteler à ça avant que tout bip, tout sonne. Et puis, je vous reprendrai sans doute tout à l'heure. Peut-être je clôturerai dans la voiture. Ça va être encore un truc de pas grand-chose. Mais on verra. Je vais déjà m'atteler à ça, je vais faire vite. Et puis si j'ai le temps, je vous reprends avant de partir bon, le chercher. Bye. 15h20, j'ai tout terminé. Voilà. Bon, un peu tout à l'arrache, etc. Mais voilà. Donc j'ai réussi à faire tout ça avec... J'ai pas compté combien il y en avait. Bon, c'est assez lourd. Je pense que j'en aurais beaucoup plus que pour 4 portions. J'ai allongé un peu finalement avec de l'eau, là, leur truc. Ils disaient qu'il y avait que 4 portions. Moi j'ai fait beaucoup plus, j'ai allongé avec de l'eau et finalement ça a bien cuit. Alors au début j'en ai mis, mais voilà, j'ai tout renversé de partout. J'ai perdu l'habitude, parce qu'il y a eu une période là, je crois que c'était au mois de février, où j'ai fait des crêpes, des pancakes, j'avais la main. Là pendant un mois j'avais pas fait de trucs comme ça. Donc là voilà, ils sont quand même assez beaux. Oui, ils sont quand même assez beaux. Donc moi ce que je fais c'est que du coup je les mets dans une boîte, là, une boîte à crêpes. Et puis je vais les mettre au frigo et puis j'en prendrai... peut-être au goûter tout à l'heure, sur demain matin, peut-être au goûter demain soir, et sur, en fait, c'est sûr pour mon petit déjeuner, vu qu'en ce moment, je suis un peu, ok, je sais pas quoi prendre pour le petit déj, etc. Donc, on va se remettre bien dans le délire de ces petites préparations-là, qui sont, voilà, très pratiques pour plusieurs jours. Donc, très bien, j'en ai profité, donc j'ai tout lavé, ce truc-là, voilà, j'ai fait la vaisselle là-bas. Donc là, ça attend pour être rangé, je sais pas si on voit, voilà. Et donc ce soir, voilà, on mange ça, là, des pâtes aux légumes tricolores en forme de lettres. Le paquet est ouvert, donc je vais le faire. Comme je vous ai dit, avec des crevettes et le restant de légumes. Le linge a été plié, le linge est monté, il est rangé. J'ai préparé la salle de bain en mettant, vous savez, tous les trucs par terre, là, les tapis par terre, les trucs dans la baignoire. En ce moment, monsieur veut des bains, donc voilà. On lui fait couler un petit peu d'eau. Donc voilà, tout est prêt là-haut. Alors, j'ai réfléchi pour l'ASMR. Je pense que ce soir, je ne vais pas faire d'ASMR. Je vais me faire une petite soirée où
Je vais être tranquille, je pense que je vais bouquiner et après je vais écouter vidéo ASMR pour me relaxer et m'endormir. Mais je me suis dit, là, au mois d'avril, je pars 10 jours chez mes parents. Je pars le 17 et je reviens le 26. Parce que le 27, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Sinon, je pense que j'aurais été jusqu'au bout des vacances. Et donc, en fait, sur le retour du fait, je vais m'arrêter chez mes beaux-parents et je vais laisser Lancelot. Donc, je vais rentrer le mercredi après-midi. J'ai rendez-vous donc le jeudi chez le dentiste. Le vendredi, je ferai mes petits trucs. Je pense que j'irai faire des courses pour le reste de la semaine, enfin pour la semaine d'après, etc. Je vais donc faire mes séances de sport. Je ne sais pas si dès le mercredi j'irai au sport. On verra parce que je pense avec la journée dans les pattes, peut-être pas. Mais jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le lundi. 1er mai, il y a les parents de Simon qui nous ramènent Lancelot. Mais je me dis, il y aura Simon qui sera là donc le samedi, le dimanche et donc le lundi. Mais je me dis, voilà, le dimanche, je pense qu'on va faire une journée off le dimanche. Enfin, au moins l'après-midi. Un bruit chelou. Le dimanche après-midi, je pense qu'on va rester à la maison. Le samedi, je voudrais qu'on aille faire les touristes. Bon, sauf s'ils annoncent un temps de merde, on n'ira pas faire les touristes. Tant pis. On se fera un truc enfermé, cinéma ou un truc comme ça. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on aille suivre la ligne verte pendant un petit moment à Nantes, mais qu'on parte voilà le matin et qu'on rentre le soir. Voilà, qu'on soit vraiment une journée touriste. Et donc le dimanche, je pense qu'on ira peut-être se balader un peu histoire de sortir la chienne, mais je pense qu'il va regarder un ou deux films. Et moi, je vais en profiter pour tourner deux vidéos minimum d'ASMR. Si je peux en tourner trois, voire quatre, ce sera génial. Comme ça, j'aurai tout un mois d'avance. Ce sera cool. Et donc là, je me dis, j'en filme pas ce soir, c'est sûr. Je ne sais pas si j'en vais en filmer la semaine prochaine. Ah, c'est les dessins de Lancelot sur le frigo. Parce que vu que j'ai ouvert toutes les fenêtres pour pas que ça sente le pancake dans toute la baraque, le vent fait du bruit. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des fameux exercices. Je vais essayer de vous trouver un endroit pour vous poser. Alors, écartons. Allez, écarte-toi. Trépied. Hop, zip. Très bien ce trépied. Alors, les petits trucs que je vais pouvoir du coup dégager parce que je ne ferai pas de défi. En tout cas, ça, je ne l'ai pas relevé. Et je ne vais pas en faire, comme je vous ai dit, au mois d'avril, puisque le mois est déjà commencé, puis les vacances, et puis machin. Alors, il y avait un défi 30 jours bras, voilà, que je m'étais mis, avec tous les jours des pompes. Tous les jours des mountain climbers, mais ça, je vous avais dit que je le ferais pas. Et les triceps, là, les dips, comme ça. J'ai fait au début, ça passait. Les pompes, moyen, mais les dips, ça, c'est un exercice que j'adore. Donc, ça, je savais déjà que j'allais pas relever le défi à 100%. Et donc, là, on n'y est pas du tout. Le défi gainage, je vous l'ai dit ça par contre, c'était horrible parce que quand je me mets en position gainage, j'ai beau tout contracter, même au tout début où c'était 20 secondes, 30 secondes, j'ai été jusqu'à 45 secondes. Eh bien, le fait de voilà, contracter, mais ça craquait dans mon dos, j'entendais que ça craquait de partout, j'avais mal au dos, donc ça ne va pas. C'est pas du tout un exercice qui me convient, donc on verra plus tard si un jour j'arrive à vraiment muscler plus. Mais en tout cas, pour le moment, je suis donc attirée par le bas, enfin vers le bas. Enfin, peut-être que j'efface sur les genoux, mais ça n'a plus trop d'intérêt. Mais c'est surtout, j'ai entendu mon dos craquer plein de fois. Bon, après, je crois que c'est au mois de mars que j'étais chez l'ostéo. Ou au mois de février, je sais plus. Non, c'était pendant les vacances de février. Non, c'était vraiment en février. Donc, j'ai encore mal au dos. Donc, ça ne va pas. Les exercices de fente, c'est la même chose. J'avais très mal aux genoux. Donc, ça ne me correspond pas non plus. Je n'ai absolument pas réussi. Ah, et puis il y avait ça. Exercice corde à sauter. Corde à sauter, alors c'est pareil, j'ai toujours pas le cardio. C'est quelque chose qui était dans mes objectifs 2023. Mais pour l'instant, je n'ai toujours pas réussi à faire vraiment de cardio. Parce que même quand je suis à la salle, je fais plus de muscu que de cardio. En fait, tout le monde nous dégomme. Il y a des années, c'était le cardio à fond, le cardio à fond. Maintenant, tout le monde dégomme le cardio pour du muscu. Donc, c'est vrai que même à la salle, il y a plein de salles de cardio. Parce que la salle est ouverte depuis plusieurs années. Et ben en fait, il y a quasiment personne qui va sur les machins cardio parce qu'on a l'impression quand on est sur le cardio, on nous regarde chelou en disant qu'est-ce que tu viens faire du cardio ici? Tu peux en faire, enfin je veux dire faire du vélo. Après du rameur, c'est un peu plus compliqué, mais faire du vélo et faire du tapis, on te dit mais pourquoi tu fais ça en salle? Tu peux pas faire ça dehors, c'est quand même mieux.
Donc voilà, c'est un petit peu, on est un peu regardé chelou. Moi, je fais de l'elliptique pour m'échauffer. Mais c'est vrai que moi, ce que je voulais, c'était quand même m'entraîner au niveau du cardio et au niveau de l'endurance, au niveau des gambettes, pour pouvoir courir après mon fils quand il fait du vélo, enfin courir à côté de mon fils quand lui fait du vélo. On en est très 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 loin. Et je ne sais pas si on y arrivera cette année. Donc le défi corde à sauter, le cardio n'y est pas du tout, parce qu'au début, j'arrivais à tenir un peu. Mais alors, dès qu'on est passé à 1 minute, je n'étais plus là, quoi. J'étais décédée. Donc ça ne me convient absolument pas. Et surtout, j'ai remarqué que le défi corde à sauter, ça c'est un peu comme tout, mais il va falloir que vraiment que j'en parle à mon médecin pour qu'elle me prescrive des séances de kiné ou de rééducation encore du périnée ou quoi. Parce que, bon, j'ai 40 ans, mais il suffit de pas grand-chose pour que je me pisse dessus. Mais c'est pas pipi pipi hein, c'est vraiment de la petite goutte en fait. C'est à chaque fois que je tousse, et c'est vrai que j'ai des épisodes de toux là tous les hivers, c'est la folie. Et ben dès que je tousse, je suis obligée en fait de croiser les jambes, parce que sinon au bout d'un moment, à force d'avoir des cannes de toux, des cannes de toux, ben, je finis par avoir des gouttes de pipi dans ma culotte. Voilà, je vais être censurée par YouTube. Et pareil, dès qu'on éternue, dès alors moi c'est pas trop rigoler fort, moi c'est vraiment plus tousser ou éternuer, voilà, c'est vraiment. Et là, j'ai remarqué que, bah, je vous l'avais déjà dit, quand j'avais été faire du trampoline avec Lancelot, la première fois, j'étais prise de court, donc j'ai très vite arrêté de faire du trampoline parce que je me suis aperçue que voilà, à chaque rebond, et ben en fait, ça fait de la gymnastique avec le périnée, et à chaque fois, j'avais une petite goutte de pipi qui passait, et c'était pas du tout agréable. Et quand je suis retournée avec lui la deuxième fois, je crois que c'était aux vacances de la Toussaint ou je sais plus, j'ai mis une serviette périodique parce que j'ai prédit le truc et j'ai prévenu. Et là, en fait, la corde à sauter, c'est un peu le même délire. À chaque saut, eh ben, j'ai un impact sans doute avec le périnée. Alors, il faudrait que j'apprenne, mais c'est pour ça qu'il faudrait que je refasse un peu des séances de rééducation du périnée. J'en sais rien si ça peut être encore pris en charge, bien que ce soit pas un accouchement ou un truc comme ça. Voir si c'est possible de ça. Parce que sinon, je pense que moi, je vais faire partie des femmes qui seront incontinentes à 55, 60 ans, il faudra que je mette des culottes comme on voit là à la télévision, parce que voilà, si je commence déjà en toussant et en éternuant et en sautant à avoir des petites gouttes de pipi, je pense que dans 20 ans, je me pisse dessus littéralement à chaque fois que je fais un mouvement. Donc corde à sauter, j'ai acheté des belles cordes à sauter. Vous savez, c'est les cordes à sauter où il y a juste une boule au bout, il n'y a pas de corde qui fait tout le tour, comme ça vous risquez pas de fouetter le plafond, une lampe ou quoi qu'au caisse, et vous risquez pas de vous prendre les pieds dedans. Et en fait, j'ai vraiment, vraiment du mal. Donc ça, c'est aussi un objectif de réussir à pouvoir quand même faire de la corde à sauter, tant pour le cardio que pour le périnée, essayer de m'entraîner au stop pipi, etc. Donc c'est un peu compliqué, effectivement, déjà de contrôler son souffle, parce que moi, je fais beaucoup de choses en apnée. C'est très bien pour la piscine, mais pour le reste du sport, c'est pas génial. Donc déjà, j'ai un problème d'apnée, un problème donc du coup de cardio, de souffle, d'endurance, et surtout, voilà, de contracter le périnée tout le temps en même temps que vous faites ces exercices-là, c'est aussi compliqué. Donc voilà, je pense qu'il faut que, voilà, ça va faire partie de la liste, comme j'ai dit, hein, j'ai dit que 2003 allait être médical. Eh ben, ce sera médical, ça c'est un rendez-vous de plus à programmer. Entre les rendez-vous que j'ai déjà eus, les rendez-vous qui sont programmés. Ah d'ailleurs, il faut que je marque, c'est pas un rendez-vous médical, mais Jeep a rendez-vous chez le toiletteur le 13 avril. Parce que j'ai demandé quand est-ce qu'elle aurait de la place de disponible. Elle avait dit qu'elle n'avait pas de place avant mi-mai, début juin. Moi, j'ai dit, je prends le premier rendez-vous en début d'après-midi qui se présente. Et là, elle m'a écrit pour me dire qu'il y avait un désistement la semaine prochaine. Et est-ce que ça me conviendrait à 15h30, ça me convient pas, mais je vais déposer la chienne, j'irai chercher Lancelot et après je retournerai chercher la chienne. Écoutez, hein. 15h30, toilettage. Bon, je mets Jeep, mais fatalement, ça sera forcément Jeep. Alors du coup, tout va être un peu chamboulé, mais je crois que j'ai mes règles la semaine prochaine, je crois. Ça arrive tellement vite, moi j'ai un cycle qui n'est pas ordinaire. Il y a des filles qui ont des tout petits cycles et d'autres des grands cycles. On va dire que le cycle standard, c'est 28 jours, beaucoup. Je sais que j'avais une copine qui avait un cycle de 35, donc elle, c'était vraiment très. Et moi, j'ai un cycle de 25. Donc moi, ça m'arrive très régulièrement d'avoir mes règles 2 fois par mois, parce que du coup, il y a plus que 25 jours dans un mois. Donc c'est moi, je les ai au début du mois, à la fin du mois. Enfin, c'est un peu galère. Donc voilà, donc je pense que là, ça va tomber pile dessus. Donc je m'étais noté piscine, ensuite aller faire les courses. Donc ça aurait été un peu ric-rac pour Jeep, mais là du coup si je vais pas à la piscine, dès que je sors du boulot, je vais faire des courses. Mais je me dis c'est la semaine avant qu'on parte, donc je vais acheter juste des petites courses d'appoint pour Simon, qui je pense lui ira faire des courses. Il m'a dit qu'il travaillait pas le 19. 19 c'est mercredi.
J'ai acheté deux, trois trucs pour qu'il tienne lundi, mardi, et puis mercredi, il ira à faire ses courses. Hein. Je suis pas non plus à aller faire les courses pour. Je veux bien faire les courses de la famille, mais pas les courses d'un mec célibataire qui va se la couler douce pendant 2 semaines. Hein. Donc il ira faire ses courses. Je vais aller noter ça aussi là-bas. Toilettage Jeep le 13. Ah, donc ça fera un petit truc à vous montrer, même si pour elle, un toilettage n'a aucun changement visuel. Parce que c'est juste brosser pour retirer les touffes de poils. Parce que là, elle commence à m'en mettre partout. Il y en a partout, partout, partout. J'ai beau passer l'aspirateur 4 fois par jour si je veux. Il y aura autant de touffes de poils dans l'aspirateur. Donc voilà. Ben écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que je vais clôturer là. Et puis je vais me préparer après pour aller chercher mon fils. Il est déjà 15h30. Donc le temps que je mette tout ça en route, que je ferme, que je range les derniers trucs à ranger. Et puis ben voilà, finalement, le reste de la journée va se passer un peu plus zen parce que je me suis un peu speedossée et que finalement, j'ai rectifié le tir en disant que je n'allais pas faire de vidéo ASMR. C'est peut-être mieux quand même avec ma voix, avec le nez pris, avec la gorge qui tousse encore. Donc du coup, j'ai pas de truc à préparer. Donc je vais chercher Lancelot, on se fait un petit goûter tranquille. J'ai rien de spécial à faire, oui, un petit goûter tranquille. J'étais en train de réfléchir si j'avais un truc à aller chercher, un truc à voir, un truc à déposer. Mais non. Voilà, un petit truc tranquille, on rentre un petit goûter. À 5h30, tout le monde à la douche. On joue, je descends, on prépare le repas. Après, Simon part à 20h, bon, lui, il va rentrer donc à 18h30. Et puis après, donc, il part à 20h. Il va rentrer, je serai déjà endormie, hein, parce que généralement, il rentre à minuit, minuit et demi. J'entends des trucs, mais je fais exprès de pas non plus ouvrir les yeux, parce que si j'ouvre les yeux, je suis réveillée, on est reparti pour 2 heures et c'est mort. Donc je fais exprès, je lutte, j'entends qu'il est là, mais je fais la morte, parce que je sais que si, voilà, ne pas activer le réveil. Donc voilà, moi je pense que je vais me faire une petite soirée tranquille où je vais bouquiner et où je vais écouter des vidéos ASMR. On va prendre une petite soirée pour soi. Ça va être sympa. Bon, je vous laisse là. J'espère que ce long blabla, pour le coup, je vous ai quasiment rien montré, mais je fais que discuter, vous aura plu. Je vous retrouve demain. Demain, rien de spécial. Demain, je suis au multi-accueil. Ça devrait être assez calme. J'ai juste des chiffres à rentrer, des tableaux. Et pour le cuistot, il veut que je lui dise tous les jours combien de goûters, combien de repas pour les enfants. Donc j'ai juste ça à faire, j'ai une petite mise à jour de ce que j'ai pas terminé encore ce matin, mais je suis toute seule, je suis toute seule, toute seule, il n'y a personne au relais, et puis bon, multi, il n'y a que moi, j'irai faire les comptines signées, et puis bah voilà quoi. Demain après-midi, j'ai prévu d'aller à la salle de sport, donc c'est pareil, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose de ma journée finalement, voilà, rien de spécial, bon. Je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à demain, bye. Tu dis au revoir? Bye, je vous dis... À demain! Bye! Non? Elle faisait que de tourner la tête trop mignonne pendant que je parlais. Bah là, elle le fait, par exemple. Mais quand je vous la montre, elle le fait pas. Allez, bisous, à demain!